Tout le monde, c'est Lunatic, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale car on se retrouve en recherche et destruction sur la map Drone où je vais effectuer du 15 pour 1 au DSR50 processeur balistique, balle blindée, avec en secondaire mon petit Cap 40 comme vous pouvez le voir, Cap 40 no. sinon, avec poids léger, sang-froid et silence de mort. Avec le foudroiement, le storm et le drone de chasse, mais bon, j'étais en MME juste avant, donc je comptais pas du tout faire un score de la sorte. Donc voilà, là je vais me faire tuer pour la première fois, et donc voilà. Donc cette vidéo, je vais déjà essayer, je vais essayer de l'envoyer au QG des petits youtubeurs. Donc c'est une chaîne qui a déjà 1000 abonnés, c'est une chaîne communautaire qui, en tout cas, qui évolue bien, et puis c'est une bonne petite chaîne, c'est multigaming, on peut envoyer de tout, et c'est pour ça, en tout cas, j'ai un sujet, je veux pas leur envoyer comme ça, j'ai un petit sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est la communauté PC, donc voilà, parce que je la trouve déjà beaucoup délaissée, la communauté PC, etc., donc on va parler de tout ça plus en détail. Donc voilà, donc je vais dire les atouts, les défauts, plein de trucs comme ça. Donc pour ce qui est de la communauté PC, donc la communauté Steam, Valve, Steam, Corporation, tous les trucs comme ça. Donc déjà, vous sur Xbox, PS3, donc Xbox déjà, le live, vous payez, après c'est sûr, vous avez une belle optimisation de la connexion, plein de trucs comme ça. Nous c'est juste sur PC c'est juste la connexion Internet. Par exemple, vous voulez changer de nom, je sais pas c'est combien d'euros, mon cousin m'avait dit 10, 10 euros, je sais pas combien. Donc nous, c'est gratuit. Par exemple, on est juste allé sur Steam, paramètres, l'onglet Ami, et on change notre nom, mais entrée, terminé. Par exemple aussi, pour prendre des vidéos, donc là je vais dire vraiment tous les atouts, je veux pas. Ça c'est mon opinion personnelle, je veux pas dire que c'est la meilleure communauté, tout des trucs comme ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de ramener un maximum de gens sur cette communauté qui en vaut vraiment la peine je pense. Donc pour mon choix personnel. Donc oui, vous voulez faire des vidéos au lieu d'acheter un HDPVR, Dazzle, toutes les choses comme ça. Voilà quoi, nous c'est gratuit quoi, on va dire, on va le dire, hein, on va pas se cacher, c'est gratuit, on a juste à télécharger un petit logiciel comme Fraps, Bandicam, tous les trucs comme ça. Et je vais vous dire aussi quand vous êtes sur console, un youtubeur il est un peu obligé d'avoir un ordinateur pour faire des montages, etc. Donc de toute façon, moi je pense. Puis c'est sûr parce que je me suis mis depuis le début sur PC, c'est pour ça que je suis à fond dessus, que je défends un peu cette communauté, mais je vais essayer d'être réparti sur toutes les communautés. Mais franchement, je vous la conseille fortement. C'est une bonne communauté, quoi. Et puis c'est pour ça que voilà quoi, je suis dessus. Et puis en tout cas, je vous la conseille fortement. Donc oui, on parle pour le making des vidéos, donc pour faire les vidéos, donc pas besoin de payer 150 euros en HDPR, vous téléchargez juste votre truc pour le nom. Puis regardez, après pour les graphismes, sérieusement, il y avait j'ai regardé une petite émission où il y avait, c'était une émission jeux vidéo, je sais plus quoi, je sais plus trop quoi, où il parlait des graphismes console et puis PC, après ça dépend de ton écran PC, mais où il y avait parler des graphismes PC qui rattrapaient largement franchement les consoles, et donc c'est pour ça aussi c'est du rêve quoi, en tout cas. Donc voilà, sinon pour parler des avantages encore de la communauté PC, par exemple vous êtes sur en jeu et tout, au lieu d'avoir votre ordi à côté de vous, imaginons vous êtes sur console, là vous êtes sur PC, vous mettez votre petite communauté Steam, et puis là vous avez Google direct. Donc ça c'est super bien ça, en tout cas c'est super cool, super cool, super cool. Voilà. Donc là au passage j'ai mon foudroiement, j'avais déjà mis mon drone de chasse et tout, donc voilà. Sinon je vais varier entre 2-3 joueurs parce qu'il y avait un moment où j'étais un peu perdu, mais voilà. Et comme vous avez vu juste avant, j'avais mon arme principale c'est le DSR, mais je vais utiliser 2-3 autres armes comme la MSMC et tout, je vais varier pour. C'était pour avoir une petite double au passage avec mon foudroiement, c'était pour varier entre les armes et puis pour faire un gameplay d'une meilleure qualité, donc voilà. Là, un petit kilo 40. Voilà. Et sinon, en tout cas, j'ai déjà mon cousin qui est sur Xbox, je l'ai entre autres, comment dire, on peut dire ça comment?
Je lui ai un peu expliqué pourquoi ça serait bien qu'il vienne et tout sur PC. Donc il ramène bien sa team sur PC, c'est ça qui me plaît énormément. Voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est une communauté qui en vaut la peine, je vous le dis. Vous, ça vous facilitera la vie, c'est sûr que les consoles sont bien. C'est Microsoft, Sony, c'est vraiment des grosses entreprises. Et donc, en tout cas, Steam, je vous le conseille. C'est PC, c'est PC quoi. Avec Steam, par exemple, pendant les vacances d'été, pendant Noël, vous avez des petites réductions. Tout. Il y avait des jeux à moins 70%, donc c'est vraiment des trucs super bien, super bien, super bien. En tout cas, voilà, je vous le conseille. Sinon, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour ce qui est de nos 700, non, 570 abonnés, désolé, 580 même. En tout cas, je vous remercie énormément parce que voilà, il y en a plus de la moitié qui sont actifs et tout, donc ça fait super plaisir, c'est super bien. Et donc voilà, moi et Blast, ça nous ravit, c'est vraiment super bien. Et donc prochainement, on a une petite vidéo d'un nouveau membre qui est Junja, donc il a eu un petit add avant RD, donc ça c'est prochainement un petit gameplay. Et donc je vais essayer de tout raconter, et puis bah, à la fin, quand j'aurai plus trop rien à dire, hein, parce que je vais pas m'éterniser là-dessus, là j'ai en déjà quelques mots, je vous ai déjà un peu défini la communauté. Avec tout ce qui, tous les avantages, et puis je vais venir un peu aux défauts, mais bon. Donc voilà. Sinon, je vous laisserai le gameplay quand j'aurai plus trop rien à dire. Donc pour ce qui est des défauts, bah après, sérieux. Hein. On a les groupes d'amis, on a. Ah oui, ça c'est peut-être un détail, mais franchement, pour quelques personnes, c'est quelque chose de très bien. On peut avoir, je pense, pas autant d'amis qu'on veut, mais en tout cas. Je peux vous garantir qu'on peut en avoir plus de 400, alors que vous, c'est 100, il me semble, sur les consoles. On peut en avoir plus de 400, parce que j'ai eu un pote qui en avait 434. Et donc, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ça peut faire un petit sujet dans le commentary. Donc, voilà. Et donc, j'ai fini sur du 15-1. Donc, voilà, je vous ai dit un peu les défauts, les atouts. Ben, j'ai plus trop rien à dire. Et donc, voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit commentary sur mon petit 15 ans en dessert vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, faites ce que vous voulez. Voilà, c'était Lunatix. Salut tout le monde!